Je sais pas si le micro il marche quand même vachement mieux maintenant. Dernière petite vérif parce que je sens que sinon monsieur le micro il va nous péter un plomb. Non, c'est bon, il est bon cette fois. Oh, comme c'est merveilleux! Il fonctionne! It is alive! Attendez, je reviens, je vais chercher de l'eau. Il faudrait peut-être penser à l'enlever ce message. Je pourrais pas le désactiver dans les options, un truc comme ça. Faudrait que je regarde. Alors, il a été mis à ma connaissance. Un tout petit détail fort intéressant. semblerait que j'ai loupé un passage dans la forteresse de je sais pas quoi. et que c'était un tout petit peu la suite du jeu. Alors je sais pas du tout où ça mène, hein. Je suppose que bon, qu'il y a un boss, dans tous les cas c'est important. Mais il a été mis à ma connaissance que peut-être. Non, c'est pas là. Que peut-être, peut-être je dis bien. Ah oui, putain, la rapière, vive la rapière! Nan, nan! Oh, aïe, rote! Putain, des ennemis qui t'attaquent en rotant! Merde! Ça c'est nouveau! Bref. Il a été mis à ma connaissance, je disais donc que là où je suis maintenant tout de suite, c'est genre pas du tout le bon chemin. Enfin si, c'est le bon chemin, mais c'est le bon chemin dans 20 ans, pas aujourd'hui. Bref, du coup, vu que j'ai commencé une connerie, qu'est-ce qu'on fait? Bah on la continue. Et après j'irai rechercher le vrai bon passage. Voilà. Question maintenant, c'est comment est-ce que tu descends? Parce que je pense que ça doit être le dernier feu de camp avant la fin. Je présuppose. La logique voudrait que ce soit le dernier des passages. Ah, bonjour toi. Voilà. La logique voudrait que ce soit le dernier des passages. Ah, je me suis pris des dégâts. Je sais pas comment est-ce que je me suis pris des dégâts. Ah non, d'accord, c'est juste un truc pour observer. Bon, bah, c'est pas ce passage-là. Bref, donc, bah, une fois qu'on a fait ce boss-là, j'essaierai de me remettre un tout petit peu près sur le bon chemin. Ou alors, je continuerai mes conneries parce que j'ai décidé de ne pas faire ce qu'il fallait. Voilà. Oh, deux chemins qui mènent au même endroit, tiens. Est-ce que... Oh! Et comment tu vas là? Comment tu descends là? Je ne sais pas. Et j'avoue ne pas vraiment avoir envie d'essayer. Non, ok, ça c'est pas une vraie échelle, donc ça c'est un piège à con. Est-ce que je peux essayer de rattraper ça par là? Parfait. Putain, encore un délire de mur qui fonde, tiens. Bon, je suppose que ça doit être un délire de crasse, hein, plus que les murs qui fondent, mais... Alors, Ah, il y avait une... Ah, il y avait une deuxième échelle et je l'ai pas vue. Pourquoi est-ce qu'il y a un message dans le... je me dis pourquoi il y a un message dans le vide. Ce serait complètement con. Allez, viens là. Ah, il y a un objet. Kunai. Ouais, j'ai encore plus d'épées de lancer. Il m'a l'air d'être franchement utile. Ah, donc je suis arrivé en bas. J'ai réussi. Bah, félicitations, mon cher. Semblerait-il que tu n'es pas le seul. Tu vas très bien, toi. J'aime beaucoup le... Merci pour le conseil, hein, parce que vraiment, le... J'ai oublié comment ça s'appelle. La rapière. C'est vraiment bien comme arme. Coucou, bonjour Polo, bonjour Polo, bonjour Polo, comment vas-tu? Pourquoi je l'ai répété trois fois? Eh ben bonjour. Je l'ai répété trois fois, visiblement. Alors comme je le disais, parce que je sais pas depuis quand t'es arrivé, il a été mis à ma connaissance que j'ai peut-être pas emprunté le bon chemin. Je vais bien. Ah bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh. Qu'est-ce que de France ça était... Ah merde. Merde, j'ai perdu, j'ai plus de... Attends, est-ce que je peux mettre un autre casque? Est-ce que j'ai un deuxième casque? Oui, j'ai un... Oh putain. Ah merde, c'est pas le...
C'est pas le même. Ah zut. Je viens d'arriver, ça fait une minute. Ok, bah comme je le disais, semblerait-il que j'ai pas pris le bon chemin. Oh, bah je vais prendre le casque du Dovahkiin, c'est très bien. Semblerait-il que j'ai juste pas du tout pris le bon chemin. Enfin, ça je le savais que j'ai pas pris le bon chemin, ça on l'avait déjà fait remarquer. Mais on m'a expliqué que l'endroit où j'ai tourné en rond pendant genre une bonne heure, bah il y avait une sortie que j'ai pas vue. Donc, oh. Est-ce que c'est le bon chemin du coup? Je pense que c'est par là. Je vais pas trop y aller. Comment ça? Bah tu sais, alors la forteresse, faudrait que je retrouve, mais la forteresse... Tu sais, il y a un endroit où t'as un bateau, et ce bateau t'amène dans une forteresse. Bah cette forteresse, visiblement, il y a une troisième sortie, et j'ai pas réussi à la trouver. Ok, je suis en bas, mais ça sert à rien. Y a rien? Genre vraiment, y a rien du tout? Bref, donc je pense qu'une fois que j'ai battu le boss de cette zone, je vais me démerder pour retourner au bon endroit. Ah d'accord. D'accord. Et à quoi ça sert? Oh, un coffre! Donc voilà, faudrait juste que je pense à y retourner un moment ou un autre, mais visiblement, j'ai pas... il y avait une troisième sortie. J'ai réussi à... En fait, j'ai même pas ça. C'est que j'ai réussi à trouver la sortie secrète. C'est-à-dire que y a le point d'arrivée. Enfin, t'as deux points d'arrivée, t'as une sortie secrète et une sortie normale prévue par le jeu. Et bah moi, j'ai trouvé la sortie secrète, mais j'ai pas trouvé la sortie normale. C'est... je fais ok, d'accord. J'ai réussi à me démerder pour trouver le truc secret, mais pas le truc qui était au milieu du chemin. C'est quand même très fort. Bon, c'était pas... Du coup, c'était pas cette échelle-là. Yes. D'accord. Ok. Bon, tant mieux. Hop là. Donc, c'est pas cette échelle-là. C'est pas celle-là parce que ça mène à un coffre. Ah, celle-là, elle mène où? C'est bien, je trouve des chemins, mais je trouve pas le bon chemin, encore une fois. Je suis très très fort pour ça. Ok. Putain, y'a un truc qui essaye de me tirer dessus. Ah oui, là-bas. Donc, les échelles de ce côté-là ne servent à rien. Putain de statue de terreur. Vous visez même pas droit, alors c'est pas là. Bonsoir, c'est toi qui voulais absolument sauter dans le trou de ma joue, là, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Bah là je suis dans le trou de Majula, j'ai sauté dans le trou de Majula. Et ne t'inquiète pas, je crois que j'ai compris que j'ai fait une bêtise, mais Oui, oui, j'ai sauté dans le trou de Majula, je suis bien dans le trou de Majula, là. Par contre, je ne sais pas où aller. Oh, bonjour. Putain de statue de t'es mort. Mais c'est quoi cette zone? Oui, je reconnais bien cette zone de merde. Mais ah! Putain, mais celle-là, elle est même au sol! C'est... Oh. Bref, alors je ne sais pas où je dois aller. J'ai bien compris qu'il fallait que j'emprunte une échelle, mais pour l'instant, toutes les échelles que je prends, elles mènent pas au bon endroit. C'est comme moi, je trouve des techniques de speedrun car je veux voir les limites de. Alors, les techniques de speedrun de Hollow Knight, mon dieu! Oh. Il y a de ces trucs. Alors, j'y arrive un petit peu, c'est-à-dire que je crois que mon. Alors, je suis très loin des. Je crois 20 minutes. 20 minutes du record, mais moi, je crois que je suis à quoi? 40 minutes? Pour Hollow Knight. C'est un enfer! Mais du coup, attends, mais du coup, les échelles, c'est pas le vrai chemin? Ça, toutes ces échelles sont des trolls en fait. Aucune de ces échelles ne mène à la suite. D'accord! Donc là, je me suis fait chier pour rien. Et comment je descends du coup? Attends, mais il y avait bien une salle de boss. Je suis pas fou, il y avait une salle de boss en bas, non? Non mais Hollow Knight, pour ça, oula, je sais que speedrun Hollow Knight... Ah oui, elle est là. Ouais. Speedrun Hollow Knight, c'est quand même particulièrement en enfer. Moi, j'ai fini la quête principale des DLC ce week-end, vive. Ouais. Qui t'invite la transformation en holo. Tu joues pas pareil une fois que t'as fait ça. Qui t'évite la transformation, pas qui t'invite. Oui, non, je comprenais pas ce que tu me disais. Eh, hey, putain, faut que j'apprenne à lire, hein. Ce serait bien que je retourne au CM2, un mot. Oui, non, bah, ça, après.
Les DLC, si on parle bien toujours de Hollow Knight, les DLC, c'est, ils sont particuliers quand même. Je les aime bien, ils sont même meilleurs que le jeu de base, mais bah, comme beaucoup de DLC, tu diras. C'est très rare d'avoir un... Oh. Ah, je peux pas la péter, merde. Mais ouais, c'est les DLC ont l'avantage d'être... Parce que moi, le Hollow Knight, j'ai toujours eu beaucoup de mal, sens, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Putain, et cette année... Bref, et je trouve que les DLC relèvent tellement le niveau du jeu. C'est vraiment... entre les DLC et le jeu, t'as vraiment tout un univers. Bon, je peux passer. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas vu, puisqu'il était caché derrière une... Ok, vous allez me péter la gueule. Voilà, vous me péterez pas la gueule. Et donc là, je suis dans le boss. Je suis devant une espèce de giga araignée des enfers. Pourquoi c'est quoi cette araignée, la géante? Ah, c'est un cafard? C'est même pas une... Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça se tue. Est-ce que ça doit se tuer? Ah non, c'est une fourmi! Ah, c'est comme dans... J'allais dire Deltarune, qu'est-ce que j'ai fumé? C'est comme dans... Le nouveau, là, j'ai oublié son nom. Elden Ring, c'est comme dans Elden Ring. Les DLC From Software sont toujours bien reçus. Il n'y en a pas un seul qui n'ait pas été apprécié. Ouais. Donc il parlait de la fin de Dark Souls 2, donc j'étais bien à côté de la plaque. Est-ce que je suis censé la tuer la fourmi là? Parce que je sais même pas si sa fumée est dangereuse en fait, non même pas. Ah non mais les DLC de... Les DLC from... Pourquoi... Pourquoi suivez les araignées? Ça pouvait pas être suivez les papillons. Ouais. C'est Harry Potter, mon cher. Enfin, c'est Ron, en l'occurrence. Mais c'est Harry Potter. Faut la tuer ou pas, la fourmi? Parce que elle est pas dangereuse, mais elle a l'air de bloquer un chemin. Je suis censé la tuer? Je veux pas tuer. Moi, j'aime pas tuer les trucs inoffensifs. Hein. Se référer au monde peint d'Ariamis, hein, pour savoir. Mais j'aime pas tuer ce qui est inoffensif. Même passivement, elle peut pas me faire de dégâts. Du coup, est-ce que c'est un intérêt de la tuer? Audace nécessaire droit devant. Vision des amis, donc bravo nécessaire droit devant. Okay. non, mais voilà. Est-ce que je dois la tuer? J'ai pas envie, moi, elle est pas agressif. Le truc, c'est... Je suis sûr que si je la tue, elle me refile un truc, mais du coup, je vais pas la tuer. Parce que c'est pas agressif. Je suis dans Dark Souls, hein. Tuer les trucs inoffensifs, c'est pas bien. Easy, la ref, c'est Naruto, c'est Naruto dans One Piece quand il se bat avec Son Goku juste avant d'avoir fait son premier Benkai. C'est pas un E, j'en sais rien, je connais mal. Dans la Terre du Milieu, ah bah. T'as réussi à nous sortir un truc non manga, c'est pas mal. D'accord, mais du coup, est-ce que je dois la tuer la fourmi? Non, je vais pas la tuer la fourmi, je vais la laisser tranquille. Oh, tiens, une récompense. Lion mammatique. Le mélange est bien. Non, c'est bien trouvé. Est-ce que c'est le bon chemin? Tout me dit... C'est trop bizarre. Tout me dit de descendre, mais je peux pas descendre. Une fois que je suis en bas, je fais quoi? Oh. Là, j'arrive à peu près au niveau du message. Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Ça, je l'avais honnêtement pas vu venir. Ça tape fort, faut que je fasse gaffe. Ok. Ah putain de statue de ces morts. Non, c'est pas celle-là, c'était l'autre échelle.
Hop. Hop, et donc faire gaffe à lui parce qu'il est dangereux. Voilà, parfait. Hop. Et du coup, je fais quoi maintenant une fois que je suis arrivé là? Parce que visiblement tout m'emmène ici, donc ça sert à rien de... Vu comment j'ai visité la zone la dernière fois, attends. Essayer roulade, non je vais pas... Faut descendre par là? Putain ça a l'air méga dangereux, j'ai la truc du chat ou pas? Ouais j'ai la truc du chat, non parce que ça a l'air méga dangereux, on est d'accord. Hein. C'est Ok, c'est bon. Ah, le boss. Oh, parfait, je suis arrivé au boss. C'est vert. Ah, putain, bon, je peux pas tuer la dernière. Bon, yes, je suis sur un boss qui va jouer poison. Oui. Ça va être la merde. Ah non, j'étais pas sur un boss. Ok. 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 Je déduis que ce qui est vert est dangereux. Ah, c'est un feu de camp. Je déduis que ce qui est vert était dangereux. Ah oui, c'est le truc où font foncer une pierre. Ok, d'accord. Bon, je déduis que ça va être la merde, donc on va péter toutes les statues. Je suppose que la moitié d'entre elles vont me jeter des molars à la gueule. Pourquoi il y a autant de taches rouges là? Pourquoi? Parce que je me fais pas attaquer en fait. Ah, des trous, ok, il y a des trucs qui vont sortir des trous. On va éviter de s'approcher trop proche des trous et on va tenter de péter les 50 000 statues au bas mot. Ah putain! Bon, ok, donc c'est bien ce que je disais, ce qui est vert est dangereux. Si c'est vert, c'est dangereux. Et potentiel... Ah oui, il y a un truc qui bouge là dans le trou. Oh putain, c'est la merde. Ok. On y va doucement. Ouais, toi c'était sûr, t'étais allongé par terre. Ah putain, il y a un truc qui m'a tiré dessus. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'a tiré dessus. Ah, ça doit être elle. Ah oui, parce qu'elle est tournée dans ma direction. Ok. Donc, go péta les 50 000 statues, là, pour éviter de se faire empoisonner comme un con. Là, il y a un truc qui bouge, donc dans le doute, je vais éviter de m'approcher du trou. Putain, j'ai réussi à tuer toutes celles... j'ai réussi à toutes les tuer, sauf celles qui avaient... Qui lançait du poison. Ok, oh, top. Ah ah, ces deux statues lancent du poison. C'est quasi sûr. D'accord, il s'est battu contre quelque chose. Allez, on va dire que je suis pas loin. Eh oh, lâche ton épée, merci. Non, c'est bon, ok. Ok. Donc, ça c'est un trou de merde, on va pas s'approcher. Dans ce trou de merde là spécifique, il y a un truc, dans le doute. Ah putain! Bien, c'est que j'avais repéré, hein. Est-ce que les statues c'est comme les monstres? Une fois que tu les as pétées 12 fois, elles arrêtent de réapparaître.
Pourquoi est-ce que la merde dans ce trou ne veut pas sortir exactement? Parce que je le vois qu'il y a... Voilà, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! Eh oh, ça te dirait d'attaquer que je puisse me défendre? Ok. Ok. Oh putain, il y a beaucoup trop de statues de l'autre côté, je vais tenter de les péter. Ah! Mais elle peut pas me toucher celle-là, c'est merveilleux. Elle est bloquée par un mur invisible. Yes, j'ai déséquipé mon bouclier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans le doute, j'ai déséquipé mon bouclier. Non, recule, recule. Attends, merci. Dans la panique, j'ai déséquipé mon bouclier, c'est génial. Donc, ok, ces deux trous-là, c'est fait. J'ai vu un truc bouger. Logiquement, il me reste des autres trous. Non, ok, ça me tire à côté. Putain, il faut faire ces alliés. Ouais, ça j'allais dire. Ça me paraissait trop bizarre. Allez, reviens là. T'es mort de... Mais putain, mais vise! Merci. Putain, putain, t'es mort de statue de ces cons. Quoi? Il y en a encore une qui me tire dessus? Qu'est-ce qui me tire dessus? Mais ça part d'où? Mais wesh, ça part d'où? Faut faire de ces putains d'aller-retour. Quelle était la statue qui était en train de me tirer dessus? Oh, putain, je vais faire comment là? Ah, elle était au-dessus. Ok. Ok. Oh putain. Oh la vache. Oh, ok, d'accord. Hop. Ok. Yolo. Ok, ça ne m'attaque pas pour une raison que je comprends pas. Oh putain! Ah oui, non mais eh, oh, c'est un peu bâtard, j'avoue. Alors, faut tuer les 50 000 statues là, ok. Y'a un truc dans cette cave ou... Non, ok. T'arrêtes de faire ça, c'est très chiant. Ah mais... Si, pète la gueule des statues s'il te plaît. Attends, celle-là elle a déjà pété, ok. Voilà, ok. Ok, donc là je suis bon, ok. Donc, même technique, on va lui attaquer le bas de son corps. Parce que visiblement, c'est là que les statues ne visent pas. Bah, ça va pour l'instant. Quand tu vois la merde que c'était, les précédentes zones de poison, je vais peut-être parler un peu trop vite. Ah, l'arrêt! Ok, donc si, donc la fourmi fait bien gagner un... Ok, fait gagner du temps. Cool, c'est bon à savoir. D'accord. Du coup, c'est sorti ou c'est pas sorti? D'accord, donc la fourmi... Tuer la fourmi, ça fait bien gagner un raccourci. Ok.
pas le raccourci des plus utiles, mais... Donc pour l'instant, c'était pas la zone la plus dangereuse du monde, ça. Je sens la merde. Désespoir droit devant. Je pense que ça pue la merde, ce passage. Dans le doute, on va y aller. Est-ce que... Pourquoi des fois il attaque pas? Des fois il décide non, je vais pas attaquer, à la place je vais Attends, mais il y a un trou ça? Et wesh, pourquoi il y a un trou? C'est un putain de trou, non? Je peux marcher sur du vide? D'accord, je peux marcher sur du vide. Bah ok, je peux marcher sur du vide, why not? Allez, j'accepte. J'accepte. Oh, ok, il y a des trucs dans les vases. Ouais, mais alors je vais aller chercher plus tard. Mais t'as la gueule des statues! Putain, mais vise les statues! Bon, ok, celle... Bon, ok, celle-là est pas dangereuse, donc on va la passer. Elle est pas dangereuse, mais elle m'empêche de passer quand même. Merci. Oh, fait chier. Ok. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui... Wow. Ah d'accord, c'est celle d'en face qui me tire dessus. Ok. Enfin, je crois. Ok, donc ça j'en déduis que c'est le boss. J'ai moyen de réparer ma rapière. Comment ça, tu m'as touché, espèce de connasse. Donc... Est-ce que j'ai un truc qui permettrait de réparer ma rapière? Preuve de victoire contre le maître d'un autre monde. Ah, j'ai fait ça, oh, bah cool. Ah putain, je sais, le problème c'est que je, visuellement je sais pas reconnaître qu'est-ce qui fait quoi. Bon bah tant pis, je vais me battre à la hache du coup. Il est faisable à la... Ouais, non, mais bah, en même temps, la rapière, c'est... il m'a dit que c'était un peu le truc. Je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, ils ont décidé de faire des trucs un peu dégueulasses. Oh, me dis pas que les statues dansent du poison. Ne dis pas que les putains de statues lancent du poison. Ça va être un enfer si c'est le cas. La charogne, ok. Ok. Ok, c'est la merde. Ok, est-ce que la rapière lui fait des dégâts ou pas du tout? Ok, c'est un peu mieux. C'est pas ça, mais c'est un peu mieux. Ah, il touche hot quand même. Faut que je fasse gaffe un tout petit peu à mes conneries. Tu peux te rester loin de la lave, s'il te plaît? Ça m'arrangerait, je t'avoue. Ok.
Ah putain, fais chier. Aïe. Bon, bah je sais maintenant, je dois faire ça à la hache du coup. Ah, j'ai pas vu. Oh 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 oh. Aïe. Il a changé de pattern. Il m'a attaqué par la droite cette fois. C'est nouveau, j'étais pas au courant que c'était possible. Ah ouais, c'est dans le doute, je vais pas m'approcher trop. Ah, je crois que j'ai pris feu. Ah, fait chier. Bon, je vais aller réparer ma rapière, du coup. Je vais aller réparer ma rapière. Ok, bah ça va. C'est pas la zone la plus dure du monde. Hein. Me joue là. Hop. Ouais, parce que du coup, je pense qu'avec une rapière pleine, je le bats en 2-3 secondes. Quoi. Ah oui, merde, j'ai plus d'âme. Ok, bah je vais aller fermer des âmes alors. Mais aussi, il faudra que j'aille penser à reprendre le serment des rats, vu que j'ai plus le serment des rats maintenant, mais... Ah oui, ça, ok, j'ai un... Oui, je sais déjà plus ce que ça fait, ce symbole de coffre un peu bizarre. Allez, venez là, j'ai besoin de réparer ma rapière, les gars. Dieu bénisse le fait que les archers savent pas tirer droit. Je sais pas le nombre de fois que je serais mort si ces trucs avaient appris à tirer droit, sincèrement. La 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 la. Aïe. Je sais même plus combien c'est pour réparer un objet. Hop. Ah oui, là comme ça je le prends à revers. Ouais, je peux te prendre à revers. Oh, je fais comment quand ils vont despawn? J'imagine trop la situation, je peux plus réparer mes armes. Je peux plus réparer mes armes parce qu'il n'y a plus rien de farmable.
Ah non, on m'a dit, ouais, non, on m'a dit que si je montais un truc du feu, oui, si je me souviens, si je monte un truc du feu, ils réapparaissent. Ok. Oh tiens, il y a un autre truc là-haut. Comment je monte là-haut? Ah, il y a un feu de camp. J'avais oublié qu'il y avait un feu de camp ici. Ok, il y a un camp, je monte là-haut. Il y a bien un truc, hein. Ouais. Ok. C'est probablement pas important. On reviendra plus tard au pire si ça a vraiment une quelconque forme d'importance. J'espère que ce sera suffisant, mais je pense pas, parce qu'il me semblait peut-être que pour réparer un truc c'était 1500. Oui, 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 oui. Putain, j'ai vraiment une de ces gueules. Ah, j'ai de la barbe! Ça veut donc dire que je suis encore un homme? J'avais oublié. Je savais plus si je m'étais retransformé en femme ou pas. En vrai, je fais un épisode sur deux en femme, un épisode sur l'autre épisode en homme. Ça peut être marrant. Alors, réparer. Ah putain, c'était 1100. Hein. Ouais, si tu veux, allez hop, c'est pas les couilles. 21 ? Putain, je commence à en avoir pas mal. Faut aller au pif, je prends toi. Ah, ah, parfait. Ok. Ok, parfait. Donc là maintenant je peux aller péta. Je peux aller péta la zone, ça devrait le faire. Hop. Et non, je ne tuerai pas la fourmi pour un raccourci. Ça ne se fait pas, elle a, elle m'a pas attaqué. Oh, bonjour toi. Alors, putain de statue de ces morts qui arrive à rester immortel. Ouais, dans le doute, je vais toutes les péter parce que je sais pas encore laquelle font des dégâts et lesquelles ne font pas. Pourquoi des fois elles se pètent pas, ces connasses? Vous êtes des statues, vous êtes faites pour être détruites. Ah putain, il y en avait une qui était... Il y en avait une, c'était le cas, merde. En vrai, je suis sûr... Ah bah non, parce qu'il y a ça qui va m'arrêter. J'allais dire, je peux peut-être tenter de le faire juste en courant, très très vite. Ah oui, merde. Non, c'est... Ah non, c'est pas là. Qui m'a tiré dessus? Putain, fait chier. J'aime bien la zone, par contre. Et quoi en bas? Par contre, pourquoi est-ce qu'une zone de poison est finie par un boss de... Ah, c'est madame au sol. C'est peut-être un peu con de faire ça, non? De finir une boss de... une salle de poison... de finir une salle de poison avec... avec un boss de lave. Presque un peu dommage, quoi. Putain de statue de ces morts! Ah oui, non, c'est vrai que toi tu peux pas me tirer dessus parce qu'il y a un mur invisible juste devant toi. Si, hop! À quel point je peux vous tuer avec la hache? Ouh, c'est quand même un tout petit peu plus long.
Ah oui, ça c'est la zone, faut la passer juste très très vite. Je l'ai oublié. Ça sert à rien parce que là il y en a deux. Ouais, il y a deux passages. Donc tu cours juste très très vite jusqu'à tomber sur le monstre. YOLO. Et c'est passé. Oh la technique, j'aurais pas cru. Ah non, mais je mets vraiment 20 ans de plus à débuter. Hein. Je pense que je vais monter la hache aussi, histoire de pouvoir faire un peu de dégâts avec une arme. Enfin, il y a beaucoup de monstres, beaucoup de trucs à péter. Imagine la zone en no hit. Oui, non, mais je sais qu'il y a un malade qui l'a fait, cette zone-là, en no hit. Mais en fait, je pense que ça... En fait, vu que les zones de dégâts sont principalement cantonnées au truc qui tire du poison ou pas, je pense que une fois que tu sais exactement quelle statue lance du poison et laquelle n'en lance pas, tu peux te faire un chemin dans ta tête assez clair de la zone de des zones de danger et des zones de non-danger. Parce que regarde, là au final, la première fois que je suis passé, j'ai combattu 3 monstres, là j'en ai combattu qu'un seul. Enfin, si je compte pas ces vers là qui sortent du mur. Ah, oh, fais chier, fais chier. Mais en... Bah après, en no-hit, techniquement, le poison ne te fait pas de dégâts. Hein. Techniquement, je ne perds pas de points de vie en me prenant du poison. Donc je pense que cette zone-là, en no-hit, c'est surtout que c'est infernal quand tu débarques la première fois, mais quand tu sais à peu près ce qu'il faut faire... Là, regarde, je vais quand même vachement plus vite. Hein. Pourquoi? Parce que la zone, elle a pas l'air si compliquée que ça, en vrai. Encore une fois, ce qui est très chiant, c'est quand tu découvres. Et une fois que t'as compris comment passer le poison, bah hop. Les monstres se font lock automatiquement, c'est pas mal quoi. Le projectile de statue est considéré comme un hit. Moi je le considère pas comme un hit parce que ça ne te fait pas de dégâts. Qu'il y ait des malades qui considèrent ça comme un hit, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais tu te fais pas hit si tu ne te prends pas de dégâts. Normalement c'est la règle, putain mais... Je sais, non mais c'est comme les speedrunners, des fois ils ont des règles complètement absurdes sur oui faut faire ça, oui faut pas faire ça pour pouvoir réussir. Enfin, il y a un mur invisible heureusement. Mais faut bien comprendre, moi je ne conseille, il y a plein de trucs, ça c'est le no damage. Bah oui, mais pour moi le no damage et le no hit c'est la même chose. Je vais être très sincère, je vais être très très sincère. Je dis pas, alors on va imaginer tu te prends un projectile dans la gueule qui te donne le statut, je suppose que c'est du moins fait des dégâts, mais je sais pas s'il y a un statut, tu sais, qui pète tes armes, c'est putrifixion, un truc comme ça, qui te donne ce statut là je dis pas, là effectivement ça a beau pas te faire de dégâts, si tu te prends l'effet il y a un problème, mais si tu te prends pas l'effet, bah y a pas de soucis. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai que la vie est marquée en bas. Mais pour moi, après je sais que bon, je suis très loin de penser comme tout le monde, donc... Hop les. Merci, hop. Non, alors, je voudrais récupérer ma tâche de sang, merci. Non, c'est complètement différent. Alors je sais que c'est complètement différent. Car dans le damage, le bouclier est autorisé et dans le no-hit, non. Ok. Ouais, non, mais je comprends qu'ils aient mis des règles différentes. Moi, je continue à dire que pour moi, c'est la même chose. Mais bon, de toute façon, je suis pas un méga fan de speedrun ou de défis en général. Hein. Et je trouve ça... tu fasses ça perso dans ton coin, ça me gêne pas, mais... Ah, je me suis pris le dégât. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le concept de speedrun. Alors, je dis pas, hein, j'en ai déjà regardé 2-3... Moi-même, pour le LOL, j'ai déjà speedrunné un petit peu... comment il s'appelle? Link to the Past. Link to the Past qui, quand tu connais les bugs, est vraiment trop marrante. Si tu vois le score final, vous avez mis 3 minutes à finir le jeu. Eh hey, oh, pourquoi t'as pas... Qui est très marrant à speedrunner parce que
quand tu connais, vraiment, quand tu connais les passages, alors je le connais pas par cœur, hein, j'ai toujours besoin d'un guide pour me faire un côté de moi parce que je connais pas le passage par cœur. Et sa mère, tu fais chier. Mais je trouve ça assez marrant à speedrunner. Même si c'est un truc que je fais jamais parce que c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Merde. Bon, heureusement qu'il met 20 ans à se rétablir après cette attaque, hein, parce que sinon, il serait peut-être un peu dangereux. Hop. Vraiment, tu es ce qu'on pourrait appeler un énorme casse-couille, quoi. T'es pas particulièrement compliqué. T'es juste un peu casse-couille. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné l'âme de la charogne. Voilà. Eh bah, c'était un cri très sympathique de mort, je dois avouer. Comment tu passes les flammes? Bon, je suppose que ça me fait des dégâts, je vais pas aller me jeter dans les flammes pour récupérer un objet. Faut pas abuser. Hop. Feu droit devant. Ah, parfait. Découverte incroyable droit devant. Est-ce que c'est un piège à con? Mais c'est sûr que je prends le no hit ou je prends Dark Souls par exemple, même si je deviens le gars le plus fort du monde, j'irai jamais no hit, j'irai jamais no hit hein, ce genre de jeu. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme Radahn dans Elden Ring. Radahn, t'as une méthode très simple pour le battre et tu sais. Ok. Radahn, il y a une méthode très simple pour le battre dans. Mais t'es... Ah, c'est un feu de contrôle. Il y a un feu de camp piège. C'est quoi ce truc à con? C'est quoi ce truc de con? Ou alors c'est... Ah, ou alors c'est peut-être une autre zone, attends, faut que je regarde. Ah oui, c'est une autre... Non, c'est pas une autre zone. Ah non, non, je viens de me faire troll, là. Ah ouais, non, je viens de me faire troll. Ok, bon, pas parfait. C'est comme Radahn, il y a une méthode hyper simple pour le battre dans Elden Ring. C'est pas pourquoi les gens ne veulent pas utiliser cette méthode. Ils se refusent à l'utiliser, ils sont toujours là, non, je vais lui rentrer dedans comme un gros demeuré. Mais c'est pas comme ça que t'es censé le battre, espèce de débile.